Bonjour, je vais vous donner quelques petits conseils pour le jouer comme je viens de le jouer. Alors il s'agit de marquer l'accompagnement à la main gauche, non pas sur les temps mais sur les croches. Je vous conseille de compter les croches et non pas les temps si vous voulez accompagner efficacement ce morceau. Alors pour la main gauche, on prend les accords de base, par exemple le premier accord c'est un ré mineur. On ajoute octave. Ré, Fa, La, et on ajoute le Ré, et on enlève la tierce, le Fa, hein, donc ici. Tous les accords, vous pouvez les construire, l'accompagnement en tout cas, vous pouvez construire sur le même modèle. Hein. Et puis vous allez faire la chose suivante, donc on compte sur les croches, donc dans chaque mesure il y a 4 temps, donc 8 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si ça change, bah, ça c'est pour l'accord de C, l'accord de Do, l'accord de Si bémol, le B. 4, 5, 6, 7, 8. Alors on va aussi avoir l'accord de Fa, hein, très simple. L'accord de La mineur à la mesure 24. L'accord de Sol mineur à la mesure 32. Et puis on termine le morceau à la toute dernière mesure avec un accord plaqué, bien sûr, pour arrêter l'accompagnement. L'idée c'est de voilà, compter les croches comme ça et puis de bien voir qu'il y a des cas particuliers. À la mesure 12, on a deux accords dans une même mesure, donc chacun des deux accords ne dure que 4 croches de temps. Donc il faut faire juste pour l'accord. On voit l'accord de Fa puis l'accord de Do à la mesure 12. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On continue. Mesure 15 et 16, c'est le même accord, le Si bémol qui continue sur deux mesures. Mesure 23 et 24. On a également donc l'accord de Si bémol sur la mesure 23 qui en a 4 temps, donc 8 croches. Et puis également, il continue sur la mesure 24, 4, 2 temps de silence, mais la main gauche joue l'accord de Si bémol pendant ce temps-là. Bon, j'ai détaillé pas mal de cas particuliers. Donc, juste pour faire les deux mains en même temps, donc les doigtés sont précisés sur la partition normalement. Donc, il n'y en a pas beaucoup hein, à faire dans le morceau des doigtés différents, donc essayez de les respecter, ça vous simplifiera la vie, vous n'aurez pas à bouger la main. Donc vous avez au départ, on commence les deux mains en même temps. Donc il y a juste le deuxième Fa que vous jouez à la main droite, il est lié au troisième, donc on a deux croches à jouer à la main gauche pendant ce Fa lié en fait. Hein. Dernière note étant une noire, on a également deux croches à jouer dessus. Voilà, le même modèle pour les mesures suivantes, sauf la mesure 4 où là on a. Donc là on a le deuxième Fa est lié au troisième, mais le troisième Fa n'est pas une. Enfin, le troisième Fa aigu, hein, n'est pas une croche mais une noire, donc on a trois notes à jouer à la main gauche pendant ce temps-là. Alors il y a une partition avec la clé de Fa hein, pour ceux qui veulent l'avoir en visuel, hein, ce que je dis. Voilà. Et puis bah, la mesure 9, on commence avec un Fa qui dure un temps et demi, donc trois croches. 1, 2, 3. Alors, je vais présenter vite fait à partir de la mesure 24. Donc, il n'y a pas d'accord écrit, mais c'est l'accord de Si bémol, l'accord de la mesure 23 qui continue. 2, 3, 4. Fin de la mesure 26, vous avez le Do à jouer à la main droite qui va tomber en même temps que le Do de l'accompagnement qui revient trois fois dans l'accompagnement de la main gauche et il va tomber en même temps. Que ceci ne vous empêche pas de continuer votre main gauche par la suite. Le Do à la main droite dure un temps, mais celui de la main gauche dure un demi-temps seulement, donc une croche. Et donc il faut continuer la main gauche, même si la main droite s'arrête. C'est un peu perturbant de le faire, puis normalement je dis suffisamment de conseils. Je ne le donne pas donc pour tout débutant uniquement, il n'est pas non plus très dur, hein. Mais si vous êtes habitué à ce que je dis dans ma méthode, ça devrait être raisonnable pour vous. Et j'ai oublié de préciser, hein, je le joue avec la pédale ce morceau, hein, bien sûr. Bien, j'espère que ça vous sera utile.
Et de toute manière, il y a une partition avec la clé de Fa, donc voilà, vous pouvez vous en tirer également avec ça. Je vous dis à bientôt!